J'ai trouvé le problème. Il faut que tu me participes. On est débugué, c'est pas grave. Alors, on a réussi à débugger. Bon, vous savez quoi faire hein, pour le bug. Attends, je vous montre. Ceux qui savent pas s'ils ont ce bug là. Vous avez ce bug là, vous allez ici. Marquage ici. Et vous remontez, vous arrivez vers le bâtiment, ça vous retépez dans la mission. J'ai mis le micro de sur OBS, attendez. Ouais, c'est bon. C'est lui! T'approche pas! Tardez, bande de mauviettes! Bougez-vous! Et chopez-le! Dégage. On l'a laissé pour tout à l'heure pour le bug là. Hop. Désolé pour le plan, pour le bug du coup. Faut qu'il fasse une mage pour ça parce que y en a ils vont pas comprendre comment faire et. Ah, me touche pas. Sors d'ici. Fais-moi entrer dans la forteresse. Toi? Mais t'es dingue. Contente-toi de conduire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, bordel? On était peinards et bam, tout est parti en couille. J'aurais jamais dû signer pour ça. Si William me bute pas, Matt s'en occupera, je suis baisé. Je suis en train de trahir les renégats, bordel. Je suis défoncé. Fais-moi juste entrer et tout ira bien. Le boucher me tient par une couille et Matt par l'autre. Et c'est à qui tirera le plus fort? C'est à qui tirera le plus fort? Ça sera 17 là du coup. Dis-moi que tout va bien. Je suis là, mes salopes. Quoi de neuf? Vous vous demandez ce qui m'a pris aussi longtemps? T'es en route? Oh. Non, pas vraiment. Enfin, parce que. J'arrive. Tout va bien. Et ne cours pas encore de mot de passe, hein, parce que c'est toi, on t'explosera la tête. Super, je vous aime aussi. Pourquoi pour toujours? Qu'on bosse qu'avec des crétins. C'est quoi le mot de passe? Trois klaxons. Non, attends, quatre. Non, trois. Trois. Trois, c'est bien ça. Il y a intérêt que ce soit ça. J'ai mon jeu qui a bugué, là. J'ai obligé de relancer tout.
fois, c'est sûr. Merde! Ou alors 4? 4? Je vais pas crever pour un coup de klaxon, si? C'était moins une. Écoute-moi bien, Steve, n'essaie même pas d'avertir quelqu'un. Profil bas, m'oblige pas à revenir te faire du mal. T'as compris? C'est tout moi! Le profil super bas! Je suis trop. Aiden? Tu l'as sauvé. Franck est tiré d'affaire. Dieu merci. Et c'est grâce à toi. Mais il y a un problème. Les corps des renégats ont disparu. Je voulais les fouiller pour trouver le poison dont a parlé la guérisseuse. Jack a demandé à ses hommes d'emmener les corps. C'est bizarre. Exactement. Il se passe quelque chose de pas clair. Fais attention. Où est le colonel Moutarde? Y a quelqu'un d'autre? Je te tiens, fils de pute. Il y a un truc à trouver. Ah, des coffres aussi, hein. Ah, j'aurais pu le projeter. Ah, faut le prévenir, tant pis, on a perdu presque 20 minutes. Putain, ça fait chier.
prendre de l'air. Cinématique, le colonel, le boucher. Où il est? Garde! Où est Waltz? Mais c'est Mia, ça. Hey, elle a peur de toi. Joue, Anna. Y'a rien à craindre. Aiden, c'est ça? T'es venu pour me tuer, hein? Je suis venu voir Waltz. Tu vois, Waltz et moi, on n'est plus trop en mode discussion ces derniers temps. Où est Frank? Il a failli y passer. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tes hommes, ils lui ont tiré dessus. Attends, Sam. T'as vu la scène? T'as vu mes hommes tirer? Matt les a vus. Il a vu mes hommes? J'en ai envoyé qu'un, Aiden. Juste un chauffeur. Aiden, qu'est-ce qui se passe? On comptera les morts plus tard. Toi et Waltz avaient lancé les attaques et tendu une embuscade à Frank. J'ai rien à voir avec ça. J'ai empêché les attaques il y a 11 ans. J'essaye de faire la même chose aujourd'hui. Et Waltz? Il est pas ici. N'écoute pas, Aiden. Abaisse les cloisons. Tu sais ce qu'il veut, hein? Si tu me tues pas, lui et ses brutes s'en chargeront si tu les fais entrer. Tu veux trouver Waltz, Aiden? Eh ben moi aussi. Il faut que tu me crois. Très bien. Aide-moi à arrêter Waltz. T'es mort, Aiden. Je vous tuerai tous les deux. Bon choix, Aiden. Ouais, on verra bien. Où est Waltz? Je sais pas grand-chose, juste qu'il cherchait un endroit appelé le X-13. Il en parlait comme si c'était sa dernière chance. Dernière chance pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est pour ça qu'il a remis le jus, et en suivant le protocole, il a enclenché le processus de sécurité. Le protocole de sécurité? Le même qui a détruit les autres cités infectées. Le protocole a été réactivé, et bientôt, d'autres missiles décolleront. Je voulais arrêter Waltz, mais il a pris la plupart de mes hommes. Et c'est là que j'ai contacté Frank. Qui a attaqué le fichaille? J'en sais rien, Aiden. J'ai juste envoyé un chauffeur chercher Frank et les autres. Il s'appelle Steve. Lawan, il faut retrouver les corps des renégats. Williams dit qu'il a envoyé qu'un seul homme. Un seul? D'accord, je vais m'en occuper. Mais pourquoi travailler avec ce taré? Il est aussi fou que brillant. Je voulais qu'il améliore mes soldats. C'est ce qu'il a fait. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il les retournerait contre moi. Et qu'il les utiliserait pour ses propres intérêts. Ah, quels d'accord. Intérêts? Il m'en a pas parlé. Ok. Comment on peut arrêter les missiles? Pour stopper le protocole de sécurité, il faut la clé du GRE qui a servi à le lancer. Waltz a pris la clé. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Comment j'accède au X-13? C'est le principal complexe du GRE, construit quand ils ont isolé la ville. C'est là-bas qu'étaient menées les opérations les plus secrètes. Tu y accéderas par le tunnel du GRE dans la boucle centrale. Et Waltz se dirige là-bas? C'est pour ça qu'il a envoyé des troupes de renégats dans le centre. En tout cas, c'est ce que laissaient entendre les notes trouvées dans ces quartiers. Vas-y! T'as qu'à les écouter toi-même! Ces quartiers sont dans l'aile ouest. Pendant ce temps-là, je m'occupe du transport vers le X-13. Ok, fais vite. Aiden, encore une chose. Je connais ce regard, fils. T'as été un de ces cobayes, c'est ça? Tu te transformes. C'est pour ça que je dois le trouver. Alors, qu'est-ce que t'attends? La chambre de dans l'aile ouest.
qu'il y a ? C'est à propos de Matt. C'est lui qui a cherché à faire tuer Frank. J'ai trouvé ses corps cachés sur ordre de Matt. Des pacificateurs déguisés en renégat. Matt a piégé Frank. Il est où maintenant ? Justement, je le cherche. On a son numéro. On l'aura. C'était sûr. Y'a quelqu'un ? Ah, les cassettes de Waltz. Alors écoutez les cassettes de Waltz. Ils sont où ? Rapport 13. Rapport 24, 2036. 130e jour de l'année. Ça fait 6 mois qu'ils nous ont coupé les vivres. 20 depuis les premiers signes d'amélioration. Patient inconscient. Après administration du composé, la pression artérielle a légèrement augmenté. Mouvement oculaire visible. Le seul moyen d'avancer... Ils travaillaient sur quelque chose ici. Qu'est-ce que tu nous faisais, espèce de taré ? Aiden, je t'ai trouvé un transport. Viens dehors. Non mais laisse-moi écouter les cassettes là, bordel. Rapport 24, 2036. 130e jour de l'année. Ça fait 6 mois qu'ils nous ont coupé les vivres. 20 depuis les premiers signes d'amélioration. Patient inconscient. Après administration du composé, la pression artérielle a légèrement augmenté. Mouvement oculaire visible. Le seul moyen d'avancer, c'est de retourner au X-13. Si les données peuvent être confirmées et que la clé du GRE a été découverte par le commandant Lucas, on a une chance de reprendre les recherches. Je dois réussir à tout prix. Ok, la 2. Rapport 13, 2036, 105e jour de l'année. À court de crédit. Tentative de recréation du composé. Toujours infructueuse. Les patients réagissent extrêmement violemment. Aptitude psychophysique en hausse. Étant à court de sujets, j'ai commencé à tester le composé sur moi-même. Ah ouais, les gens, excusez-moi. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'il y a dans la 3 ? Rapport 22036, 126e jour de l'année. Une information du vieux Vildor signale que le commandant Lucas l'a trouvé. Il a trouvé la clé du GRE. Il est donc à nouveau possible d'accéder au X-13. J'ai envoyé une équipe de reconnaissance dirigée par Dylan à la station de métro du vieux Vildor. J'attends son rapport. Aiden, c'est Cillian. Cillian ? Il paraît que tu cherches Waltz. C'est ça. Il se dirige vers les tunnels près de Tower Plaza Drive. Faut l'arrêter avant qu'il atteigne le X-13. En route. On n'est pas très nombreux, mais... les tracés en nocturne sont avec toi. Tu vends que de la merde, mon gars. Tu rigoles, je prends ça et ça. Le reste, c'est mort. Bon, hein. Ça revenir me voir. Aiden, le chauffeur te conduira à l'entrée du tunnel. Ça devrait t'amener au X-13. Allez, vas-y. Le temps presse. Les prochains missiles vont bientôt frapper la ville. On a la fin du jeu, les gens. Et oui.
Oh non. C'était un bug, sérieux. C'est pas le moment de régler ces comptes, Jack. Les renégats viennent d'entrer dans le nuage. Est-ce que tu vas les rejoindre? Je vais arrêter Waltz. Tu n'es rien d'autre qu'un traître pour moi. Tu es le traître! Jack, stop. On dirait que t'as vu un fantôme, Jack. Va-t'en, vous allez tous mourir. Et ton vrai visage sera révélé. T'as dit à tes hommes que t'avais essayé de me tuer? Tu mens! Tu voulais tuer Williams pour cacher les preuves. Tu mens, sale ivrogne! Tuez-les! Mais ce sont des traceurs. Ils s'espionnent pour Williams! Tuez-les! L'armée s'est effondrée car elle a tiré sur des civils. Les pacificateurs sont là pour ne pas que ça se reproduise. Radis, je t'ai donné un ordre, bon sang! On suit les ordres d'un commandant. Tu n'es plus apte à diriger. Tu es aveuglé par la vengeance. Tu seras jugé! Et me suppliera de te laisser vivre! La clé à Waltz avant qu'ils détruisent la ville entière. Ok, Aiden. On doit chercher les blessés. Hakon ira chercher Waltz avec toi. Fais gaffe. Ce nuage est un véritable mur de produits chimiques mortels. Il est trop tard pour s'inquiéter de ça, Frank. On dirait qu'il reste à nouveau plus que nous deux, hein, pèlerin? Allons botter le cul de ces renégats. Tes soliloques poignants m'ont manqué, Hakon. Ouais, mais je suis prêt à parier que tu t'en lasseras vite. Je vais apporter de l'antisine. Ça pourrait être utile. Ok, je vais essayer de trouver les tunnels que Waltz a pris. On garde le contact radio. Chef, oui, chef! Tunnel du X13. Putain, il est où le tunnel du X13?
tout ira bien. Vous allez la guérir ? Je fais ce que je peux. Mais elle est faible. Beaucoup plus que les autres enfants. Mais tu peux la sauver, Aiden. Toi, tu peux la sauver. Ah, d'accord. C'était quoi, ça ? Hakon ! Hakon, t'es là ? Hakon ! Oh non ! Non, 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 non ! S'il te plaît, réponds ! Est-ce que c'est ma faute ? On dirait qu'ils sont passés par là. Ici la base, Aiden, réponds ! Hakon ! Oh ! Pourquoi tu répondais pas, merde ? Hé ! Je pensais pas que je te manquerais autant. Même ma quatrième femme a pas paniqué aussi vite. Je croyais que t'en avais eu trois. Ouais, parfois, je me trompe. C'est pour ça que ça marche jamais vraiment. Bref, je me suis perdu dans ces tunnels. Je vais essayer de te trouver. Alors c'est là que tu vas. Je vais te trouver. Je vais te trouver et je vais te tuer. On va déglinguer les Waltz. Aiden, dis quelque chose. Je crois que je les ai trouvés. Je suis à ça, Lawan. Lawan, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, j'ai rencontré quelques mordeurs en chemin. Rien de bien grave. Ça a rien de bon. Et toi ? T'es en danger avec moi, Lawan. Tu le sais. Mais tu comprends rien. Ces bâtards ont détruit tout ce que j'ai et tout ce que j'aime. Tous ceux qui sont morts dans l'attaque. Franck a failli passer. Je veux pas te perdre toi aussi. T'inquiète pas, tout ira bien. C'est ce que tout le monde dit. Regarde-moi, Lawan. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, Lawan. Je te jure que je reviendrai.
Oui, bien sûr. Parce que je viens. Lawan. Franck, arrêtez pas de dire que j'avais l'étoffe d'un traceur. Voyons s'il a raison. Les dames d'abord. Là, on arrive vraiment à la fin, par contre. C'est de pire en pire, n'est-ce pas? T'es tout pâle. Ça va aller. T'inquiète, on le trouvera juste avant que ça empire. On doit y arriver. C'est d'accord? Ouais. Ouais, finissons-en. Allez, on va tuer ce connard de Waltz de merde. Lawan, t'es là? Lawan! Aiden, je me suis occupé des gardes, mais j'ai aucune idée de comment ouvrir la porte. Je sais vraiment pas comment l'ouvrir. Essaie de trouver un autre moyen d'entrer. Allez, hop. On va tout projeter avant de partir, sinon je vais pas rater ça. Je suis obligé de le refaire pour certains trophées le jeu. Voilà. Ok, dans cette porte là. Ils m'ont fait flipper eux. Ok, ça c'est beau. Du loot de merde. J'ai bien fait de fouiller dans l'eau avant des trucs. Tu vas bien? Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ah ouais.
pas tant que ça. Montre-moi. Laisse tomber. On a de plus gros problèmes. Regarde. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ils collectaient de la bouffe ici, du carburant et de l'eau. Mec, regarde ça! Ils ont amassé des provisions ici. Waouh! Ça alors? Le GRE a construit cet endroit pour que des personnes survivent à l'épidémie. Comme l'arche. L'arche? L'arche de Noé, dans la Bible. Seulement là, le but était de sauver des couples d'animaux. Et ici, sûrement des enculeurs de chèvres. Ça a pas l'air d'être fait pour les gens normaux. Non, c'est des connards d'égoïstes. Et on dirait que personne n'est arrivé jusqu'ici. Le virus a été plus rapide qu'eux. Justice a été faite. Bolt s'est passé par ici, c'est sûr. Il savait qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait pour survivre. Il faut qu'on le trouve. Tu piges ? J'y vais en premier. Ah, les enculés. Mais prends les... Mais équipe les flèches. J'ai vu les plans, Aiden. La salle de contrôle est dans cette direction. Walls doit chercher quelque chose là-bas. Trouve-le, Aiden. Je vais essayer de trouver des bandages. Je te laisserai pas ici. Oh, arrête de jouer à la maman poule et vas-y. Lawan ! Non, putain ! Je vais les tuer. Je vais mettre ces salauds en pièces. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon poussin ? Je vais bien. C'est rien comparé à la gueule de bois après la vodka au sorbier de Franck. Je crois encore qu'il cachait pas la bouteille pour me donner une bonne leçon. Je m'en souviens. Aiden, trouve Walt et prends-lui cette putain de clé. Ou on va tous crever. Je vais avec lui. Non. Sors-la d'ici. Tu me rattraperas plus tard. Oui, chef.
faut des provisions. Tout est prêt. C'était nos lits. Pourquoi je me souviens pas avoir pris cette photo? Qui a écrit ça? Je peux pas fouiller, merde. Ah, je me suis bugué, c'est sérieux? Oh mais sérieux, ce jeu, c'est une de la merde, ce jeu, sérieusement. Oh, c'est vraiment un bug... infernal. Alors, qu'est-ce qu'on... on a quoi, là? Tu me laisseras jamais seul ici, jamais. Je te laisserai pas. Jules. C'est pas la peine. Rien ne pourra jamais nous séparer, de toute façon. Rien du tout. Aiden, allez, viens. C'est l'heure. T'inquiète pas. Mais qu'est-ce que... Oh, bon sang. D'accord. Feu ! Il y a le feu dans le lameau ! Dépêche-toi, Aiden. Tu dois t'enfuir. Où est Mia ? Je vais la trouver, je te le promets. Cours ! Aiden, t'as vu la WAN quelque part? Quoi? T'étais censé la faire sortir d'ici! Merde! Akon, où est-ce qu'elle est? Ah, elle m'a roulé! Elle a dû y retourner pour découvrir d'où les missiles étaient lancés! Akon! Je vais la retrouver, gamin! T'inquiète, je vais la retrouver! La WAN, tu m'entends? Merde! Abandonne ! Va-t'en !
Waltz, Waltz, t'es où? Tu t'échapperas pas cette fois, tu m'entends? Ça, c'est pas bon, c'est des fois. Arrêtez-le. Mia! Allez, dégage. Il est 2 heures, moi, je vais rater après. Hein. Parce que je vais pas me lever demain. On a la fin du jeu. Là. J'ai trouvé le hangar avec les rampes de lancement des missiles. C'est au niveau inférieur, sous le bloc G. Il y en a des tonnes. La ville survivra jamais aux prochaines attaques. Quoi? T'étais censé partir d'ici. Pars d'ici maintenant, tu m'entends? La One! Ah, merde! Assez joué au chat et à la souris, Aiden. Pars. Je ne veux pas te tuer. Est-ce que c'était Mia? Tu l'as amenée ici? Oui. Maintenant, pars pendant que tu peux encore le faire. Dernier avertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'as besoin de Mia? Elle est vivante? En quelque sorte. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu l'as torturée comme ça? Mais alors, tu ne te souviens vraiment de rien? Donne-moi la clé et annule l'envoi des missiles. Il est déjà trop tard.
trop tard. Cette ville a eu sa chance, Aiden, il y a des années, avant que mon travail ne soit détruit. Beaucoup sont morts, mais d'autres seront sauvés. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi tu me poursuis, Aiden ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai promis à Mia. Promis quoi ? Pourquoi tu prétends que tu ne connais pas la vérité ? Concentre-toi, essaie de te souvenir. Heidi ! Aiden ! Viens ! Vous allez la guérir ? Je fais ce que je peux. Mais elle est faible. Beaucoup plus que les autres enfants. C'est pourquoi elle a attrapé le virus. Mais tu peux la sauver, Aiden. À moins que... Tu sais, les gens veulent mettre un terme à mes recherches. Ils ne savent pas à quel point nous sommes proches de trouver un remède. Quoi qu'il arrive, nous devons... Nous devons rester ensemble. Non. Tu vas rester, tu ne lui as pas fait de promesse. C'est à moi que tu l'as promis. Non. Non, non, non. Tu nous torturais. Tu me faisais du mal. Et à Mia. Non, Aiden. Je ne ferai jamais de mal à mon propre enfant. Mia est ma fille. Et tu le sais. Je te tiens. Tu ne vas pas te cacher. Je cherchais un remède. Pour elle, pour tout le monde. Avec ton aide. Et je le trouverai. À tout prix. C'est pourquoi j'ai besoin de cette clé. Waltz ? Waltz, arrête-toi ! Lancement de missile imminent. Dirigez-vous vers la brigade. Waltz ! On doit l'arrêter ! Fais un pas de plus et je te tue. Donne-moi la clé ! Je peux pas. Mia en a besoin. Si tu la prends, elle mourra. Il n'y a pas d'autre moyen. Le processus doit aller jusqu'au bout. Je peux pas laisser faire. Alors tu dois mourir. Faut changer d'arme. Faut prendre les armes les plus hautes, les plus hauts level. Genre marteau, voilà. C'était quoi la plus haute ? C'est la 394. Après, il y avait quoi d'autre ? Il y avait. Ça. C'est bon. Thank you.
Il est où? Waltz. Il est bugué ou quoi? Waltz,
C'est notre dernière chance. Tu as toujours été comme ça, Aiden. Honnête. Noble. C'est pour ça qu'elle t'aimait tant. Ce sont les politiciens. Les lâches du GRE. Et les nobles citoyens qui nous ont tout pris. Ils ont arrêté toutes mes recherches. Ils t'ont jeté à la rue avec tous les autres enfants. Ils savaient que ces tests étaient notre seule chance pour trouver le remède pour ma fille. Pour tout le monde. Tu sais que je veux sauver Mia, comme toi. Il doit y avoir un autre moyen. Il y en a un. Recule, Aiden. Le X-13 est sa dernière chance. Pourquoi tu essaies de sauver une ville qui ne t'a apporté que douleur et souffrance? Parce que c'est faux! J'ai rencontré des gens bien ici. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils se battent tous pour rester en vie. Pour rester humains. Si tu cherchais vraiment un remède, pourquoi tu les condamnerais tous à mort? Est-ce que Mia voudrait ça? Qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait? Si elle savait que tout le monde est mort à cause d'elle? Dirigez-vous vers l'abri le plus proche. Tu as raison, Aiden. Tu as raison. Elle ne voudrait pas ça. Pourquoi elle ne doit pas le découvrir? Jamais. Il est vénère, Waltz. C'est pas un rigolo, lui. C'est sûr, bah ouais. M'a déglingué. Ah, c'est chaud. Whoa.
Lutz, où est la clé? Tu as toujours été spécial, mon fils. Plus fort que les autres. Mais tu as choisi de fuir. Walt, la clé. J'ai pas envie de te tuer. Tu regardes les infectés comme s'ils étaient la maladie. Tu les compares pour le dernier rayon de lumière. Hein? Pourtant, tu ne peux pas voir que nous ne sommes séparés d'eux que par quelques minutes d'obscurité seulement. La clé est avec Mia, sur la machine qui va finalement la guérir. Mais tu ne t'en approcheras pas. On doit mettre fin à ça. Donne-moi la clé ou tu vas tuer tout le monde. Tu m'entends? Stop! Aiden! Non! Mia! Va-t'en, maintenant! Mia, c'est toi? Aiden! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mia, la clé. Sans ça, la ville sera détruite. Mia, tu as besoin de ton masque à oxygène. Je t'en supplie. C'est aller trop loin. Mia, vite! Tu as besoin d'oxygène maintenant, tu comprends? Sans ça, je ne peux pas te soigner. Tu as essayé de me guérir pendant des années. Je ne veux plus. Sauf ces gens, Aiden. Non, non. Ma chérie, s'il te plaît, respire. À l'aide. Je comprends plus rien là, ce jeu. On n'a pas la clé, c'est mort du coup. Censé partir d'ici, Lawan. C'est pas le moment pour tes conneries de mère poule, Aiden. T'as trouvé Walt? Ouais, Lawan. J'ai trouvé Mia. Et la clé? Y'en a plus. Quoi? La clé a été détruite, Lawan. Alors on construit là, putain de merde, ces missiles vont complètement raser la ville. Je suis dans la salle de contrôle.
J'essaye d'arrêter la procédure de lancement. Fais-le, vite! Dernière chance. Il se passe rien. Du coup... Merde! Aiden, Aiden, ne fais pas ça! Je peux pas l'arrêter, Lawan. Et l'alimentation? Si on coupait encore le courant dans la ville? Faudrait aller à la centrale électrique solaire, c'est trop loin. Aiden, non! Oh non, 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 non. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. Du coup, tu penses? Les missiles! On peut les faire exploser avant leur lancement, avec les explosifs qu'on a trouvés! Ok. Ok, ça pourrait sans doute marcher, je vais les chercher. Attends, Lawan! Arrête-la, Aiden! Elle va tout détruire! Démarrage du compte à rebours, tu penses? Aiden, c'est bon, j'ai les explosifs. Mais ils doivent être déclenchés manuellement. Je peux le faire, mais tu dois partir d'ici. Si elle détruit X-13, tu vas perdre tout ce que tu aimes. Je suis prête à déclencher les explosifs. Cours! Est-ce que cette ville vaut vraiment que tu perdes tout? Lawan, t'es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je sais. Aiden, vas-y, pars avec Mia. Tu vas la sauver, tu trouveras un moyen. J'en suis sûr. Tu vois ça ? Je suis désolé. Je t'ai laissé tomber. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Aiden ! T'as réussi. Dépêche-toi, le compteur tourne. Prends ta sœur et pars. Je vais sortir la Wan d'ici. Akon. Allez, vas-y, gamin. Suivez l'itinéraire d'évacuation jusqu'à la sortie la plus proche. Je te tiens. T'es en sécurité. Aiden. On va sortir d'ici, la Wan. C'est la fin. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait d'être un peu d'artifice? J'ai toujours aimé les rouges, moi. Tu crois que je vais faire des feux d'artifice rouges? Je veux partir en beauté, moi. Akon est avec toi, Lawan? Il va te sortir de là. Lawan, non! Accroche-toi! Lawan is dead. Se passer. Écoutez bien et observez, car ce sont les actualités de la dernière ville qui existe. Une soupe populaire pour les citoyens les plus pauvres a été mise en place au centre-ville. Les agriculteurs sont invités à donner leurs produits invendus à la fin de chaque journée. Nous avons survécu à une autre nuit, mais beaucoup de nos proches n'ont pas eu cette chance. Soyez attentifs, aidez ceux qui en ont besoin. Nous sommes une communauté. Les missiles ont détruit X-13, la ville a survécu.
retentissements de la radio ont permis de réduire le nombre de victimes. Ils sont tous les deux sortis, d'accord, ils sont pas morts les deux. Là, on n'a pas fini, il y a les quêtes secondaires, mais voilà. Rainer garantit la vérité et la justice pour tous. Ouais, sauf si on vous entend dire le nom de Jack à voix haute. Alors c'est une balle dans la tête. Je vous garde. Ah, c'est l'autre là, comment il s'appelle? Tu bois quoi? La bière, mais seulement si elle a des bulles. C'est Spike. Pendant 11 ans, et maintenant c'est une putain de célébrité. Si c'est pour les traceurs nocturnes, je vais le donner à Lawan. C'est elle leur chef maintenant. Des gens de mon peuple sont passés ici récemment. Tu veux dire un pèlerin? Pourquoi tu demandes? Je recherche un ami. Je pensais le voir ici. Il y avait un pèlerin ici, mais il est parti. Il est où maintenant? Où la route l'a mené. Comme vous tous. Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait ici? Ah, cinématique. D'après ce que j'ai entendu, oui. Sa sœur. Mais on raconte qu'elle était si faible qu'elle a survécu que quelques heures seulement. Il est resté avec elle. Il l'a enterrée sous un vieux chêne. Et puis il est parti tout droit vers l'horizon, sans même s'arrêter. Le pauvre gars. Sans lui, il ne resterait plus un seul bâtiment debout dans cette ville. Alors pourquoi il n'est pas resté? On raconte qu'il commençait à changer, qu'il prenait une drogue qui le détruisait. Les gens comme lui ont leur place sur la route. Tu crois qu'on trouvera du travail sur la route? Lawan, t'étais censé rester en ville. Qui a dit ça? J'ai décidé que je voulais rester avec toi. Et pas avec Williams. Ça, c'est sûr et certain. Alors? On se met en route? Ah, franchement, la fin, elle est super. Good night, good luck. On va passer, on va laisser.
J'ai fini à 2h42 de jeu. Continuer le jeu après. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer le jeu ou pas? On fait continuer. Voilà. On peut continuer, alors. Ça va. C'était pas mal la fin. Félicitations, vous êtes envoyé. Vous pouvez désormais aller au vide pour terminer les envois de quêtes inactives. De nuit et son âge et tout. Est-ce que je veux juste savoir si ça se regarde moi. Allez, on y retourne. Juste là. Juste voir si ça se regarde. Je vais aller me coucher parce que là il est 2h45. Je vais peut-être vendre des équipements. Genre ça, ça. Tout ce qui est niveau 5 là, c'est gagne. Propose les meilleurs tarifs du coin, mon lapin. Cette quête là à faire que j'ai pas fait, c'est demain je le ferai demain ça. Quiz de chèvre. Il y a encore des trucs, ça c'est buggy. Et ces trucs là récupérer. Je pompe mes trucs là, mais ça va être toujours monter les trucs si je fais pas les. Merci pour ta confiance, mec. Je vais aller voir le truc à la boutique vite fait. Ça, je vois. Thank you.
C'est aller à la ville du début, voir. Il faut que je change. Et si son appel est déchargé, c'est pas cher. Alors. Dingue hein, ce qu'ils vont. Hein. C'est ce que j'ai un acheteur, mais le client veut qu'on lui livre. Elle le sait et elle s'y oppose complètement. J'ai tellement déglingué le jeu que. Il y a ça à faire. Tenter de le faire. On va faire juste cette quête, juste faire ça. Et après j'arrête. Juste faire cette quête là. C'est vite fait. Je pense que le truc qu'il a dit du lac, je pense qu'il faut activer toutes les pompes à eau. Ah, c'est ça la banshee. C'est qu'on n'a pas gagné. Ouais.
J'ai trouvé le monstre, et je lui ai donné une bonne dérouillée. Excellent. Je vais pouvoir faire des réceptacles de peau capables de contenir de puissants agents à utiliser contre les infectés. Je suis prêt, si t'as quelque chose à chasser. Justement. Ta proie la plus dangereuse à ce jour. La créature dont je te parlais a été localisée. Et elle a quelque chose... En effet. Ses poils ont des... Tu te souviens de l'île du GRE? Celle où tu as piégé des virulents pour moi. C'est là qu'elle se trouve, Rhodes. Je peux pas? Ou je dois pas la tuer? Les deux. Écoute-moi. C'est un combat perdu d'avance contre cette créature. Elle te mettra en pièces. Ta seule chance, c'est de la tirer dans le piège et de l'emballer avant qu'elle ne t'attrape. Si cela devait arriver... Oh, t'en fais pas. Je peux m'en occuper. Encore une bestiole encore plus dur à tuer. Il donne un arc de merde. Super. Le rapace noir. Oula. Je crois qu'on fasse ça dans mon équipe, ça. Attends, le rapace noir, il y a un truc hyper chaud à faire. On peut le faire maintenant. Quête secondaire là-dedans. On est sur la terre. Forcément. Je vais mettre juste les vidéos sur YouTube et je vais me coucher, bon, les gens.